la poursuite de la domination turque sur Qatar et la facilitation du transfert des soldats turcs de Doha s'accroissent. Les vols entre Izmir et Doha se sont multipliés pour attirer davantage des soldats et d'hommes d'affaires turcs, ainsi que des produits turcs médiocres envahissent les marchés du Qatar pour les aider dans leur crise économique. Les compagnies aériennes qatariennes ont lancé ses premières vols directs entre Doha et Izmir le jeudi 3 mai 2019 afin d'accroître les exportations turques de Doha. L'aéroport international Adnan Menderes d'Izmir a organisé une cérémonie pour accueillir le premier vol et transporter 95 passagers. L'ambassadeur de la Turquie à Doha, Fikret Uza, a confirmé que les relations entre les deux pays étaient en plein développement et normalisées dans tous les domaines. Lichir Selvanpasc, le vice-président pour l'Europe dans les compagnies aériennes qatariennes, a déclaré qu'Izmir est devenue la 7e destination des compagnies aériennes qatariennes en Turc et organisera 3 vols par semaine. Le régime d'Al-Ahmadinejad continue de sa politique d'apaisement pour son allié Erdogan, qui cherche à élargir le partenariat bilatéral entre les deux pays dans des différents domaines.